qui commence déjà à se lever hein, ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On a un temps variable, une température extérieure qui est relevée à 15-16 degrés, une température de l'eau à 17-18 degrés, une marée qui est en train de descendre. Le plein bas est à 9h35, le coefficient de 62. Bah, le vent se renforce au secteur nord. Il y a un de Beaufort hein, maintenant avec un plan d'eau qui devient bien ridé. Les phases de vagues restent relativement lisses. Et on a cette houle qui est longue avec 10 secondes de période orientée ouest, une houle qui est multiple, qui se développe à la hausse, un déferlement régulier. 80 cm à 1 mètre sur les séries, 1 mètre à 1 mètre 20. Des vagues en pic qui sectionnent, un peu agitées, zone de déferlement aléatoire, c'est du surf de qualité moyenne, mais dans le tas, il y a quand même quelques bouées attrapées, quelques vagues au bord, quelques vagues au large, pas évident d'attraper ces vagues-là avec c'est des vagues qui cassent un coup ici, un coup là-bas, c'est pas évident. On les voit, mais pour les attraper, c'est moins évident. Il y a vraiment quasiment personne à l'eau. La barre est facile à franchir, les vagues ne sont pas particulièrement méchantes, évolution pour le reste de la journée. Ben, préparez-vous au vent de nord qui va se renforcer sur un train de houle qui va grossir. La bouée Arcachon est à la hausse à 2,10 m et 7 secondes. Et donc on attend à 13h 1,20 m houle ouest 10 secondes de période, vent de nord à 3 Beaufort et à 17h 1,20 m. Houle ouest 10 secondes de période, vent de nord 4 Beaufort. Le meilleur créneau, même s'il n'est pas incroyable, c'est quand même ce matin. Je vous souhaite un bon début de journée. On se retrouve à 11h30 pour un prochain bulletin. A tout à l'heure, merci.